We can guarantee you three things, Freak. The ability to start and play significant minutes as a freshman, national media exposure, and the best coaching staff at the collegiate level. We at Arizona pride ourselves in excellence. And if you join the Wildcat Nation, not only will you be making a great decision, but quite frankly, it will get you to the professional level. Andre Iguodala, Sean Elliott, Steve Kerr, Jason Terry, and Damon Stoudemire. That's only a few of our great former Wildcats. Whatever decision you make, make the one that's best for you. And that's Arizona. All right, we'll see you in the fall to help us win our second championship. What does it mean to be a Jayhawk? In a word, excellence. I'm reminded of the great Wilt Chamberlain, Kirk Heinrich, Andrew Wiggins, and the future Hall of Famer Paul "The Truth" Pierce. Careers that are a testament to the excellence of the University of Kansas. Freak, you deserve the best. That's Kansas. You deserve an enriched college experience. That's Kansas. You deserve to be a winner. That's Kansas. Our offer is clear. We await your decision in the next few weeks. If you have any questions, please contact me. Thanks for your time. I'm not going to waste your time, Freak. I know this is a busy time for you. Schools are throwing the great alumni at you. Coaches are promising you playing time. Potential teammates are pitching you the perks of the respective universities. I get it. Not my first rodeo. I'm going to shoot it to you straight. We are excellent and proven at University of Connecticut. We feel you'd be a great fit for our program. From Ray Allen, Rip Hamilton, Rudy Gay, Kemba Walker, to Shabazz Napier, we've had a great deal of perfect fits. So excuse me if I'm confident you will make the right choice. This journey will begin if you select us, but it will never end. This navy blue runs deep. We wish you well, and we await your decision. Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série sur ma chaîne principale, encore une fois, parce que les amis, j'ai décidé que j'allais poursuivre cette série sur ma chaîne principale. Si ça plaît pas à certaines personnes, ben ça plaira pas à certaines personnes tout simplement. Donc, par contre, il faut juste que je regarde si j'ai les commentateurs en fond. Donc, je vais voir ça tout de suite. Voilà les gars, logiquement là c'est bon là parce que j'avais les commentaires en fond, enfin les commentateurs plutôt, et c'est assez chiant, je vais vous dire. Bon, j'ai, comme vous pouvez le voir, été recruté, donc j'ai pu choisir où j'allais. J'étais à UCLA, ou je sais plus quoi, je sais pas comment on le dit en anglais. Ouais, ben je voulais ça, dommage, je l'ai prêté. Donc on a 4 matchs à faire avec cette équipe hein, pour le moment. Et après on verra bien qu'est-ce qu'on va devoir faire hein, les gars. Parce que je me rappelle même plus les gars, je l'ai déjà fait le truc, mais je me rappelle déjà même plus qu'est-ce qui se passe après. Donc je vais vous dire, ben, ça va être de nouveau une surprise. Car je ne sais vraiment plus qu'est-ce qui va se passer après. Donc voilà les gars. Hop, le petit passe pour Looney. Une armée, ok. Je vais jouer ça, hop, je vais, mais là je force beaucoup trop les gars, je force beaucoup trop, attention, on peut laisser shotter quand même, va falloir que je me calme niveau tentative de shot là, que je construise un peu plus les actions, surtout que je suis meneur, hein. Ah voilà le rebond, hop, on va construire, on va faire ça, je sais pas du tout c'est quoi mais c'est pas grave. Hop, on passe là-bas. Ou pas, on passe pas du tout en fait. On va tenter celui-là alors. Hop. Ah, ça passe là par contre. Hop. Passe. Voilà. Oh, oh, oh. Oh, il est beau celui-là. Il est beau le moulin avant. Renversé, si je dis pas bêtise. Ah, il est beau. Ça fait plaisir ça. Allez, en plus, on a domicile, les gars. Donc on va avoir le soutien du public, enfin le soutien des jeunes étudiantes, ou alors des jeunes étudiants, tout simplement, vu que là on est à l'université tout simplement, de UCLA, j'espère que je l'ai bien dit.
Donc, allez, le rebond. Ah non, elle est grande quand même. Ok, tambour. J'espère que c'est pas. Non, c'est pas qui l'a demandé. Là pour le moment, on est mal. Hein. 6-2, on est vraiment très très mal. Là, franchement, va falloir vraiment se réveiller. Parce que sinon, on va pas être content. Tout simplement. Allez. C'est même plus moi qui mène la balle. Maintenant, c'est free. Ok. C'est pas grave. Hop. Allez, je la tente. Voilà. 6-4. C'était un peu chaud, mais je l'ai quand même tenté. Parce que au début, je pensais que je devais complètement briser les chevilles, mais en fait, non. J'avais pas du tout brisé les chevilles du tout. Donc c'est pour ça que j'avais tenté, mais bon, après, il est toujours à mon cul, malheureusement. Bon, après, ça va, tant que je l'ai mis, maintenant, ça me va. Oh, j'ai fait intercepter la balle. Oui, rebond, c'est pas grave. Allez, shot. Mais non, mais shot. Oh oui, mais l'écran. Boum. Déjà mon deuxième dunk, les gars. Oh là, c'est pas mal. Par contre, on a pu voir ma belle forêt. Oh, la forêt, elle est immense, là. Elle est immense. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Attention, les gars. Ouah, dommage. Attention, l'écran, là. Le rebond. Non, c'est pas le rebond, mais c'est bon. J'ai la balle. Je peux toujours mener la balle. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, on va faire ça. Hop, vers le haut. Petite tactique. Hop. On tente à 3 points. Et oui, le tweak atteint 34. Oui, les gars. 6-9. Comment remonter la situation? Je sais bien, ça. Comment remonter au score et repasser devant en 3 occasions. Voilà, par contre, il me sort. Donc, c'est la fin du carton. 17-15, ok. Faut savoir, les amis, que l'université, voilà, je vais y arriver. Ça se joue pas en 4 cartons, mais ça se joue en 2 cartons. Donc, enfin, demi-temps, on va dire. Donc, voilà, logiquement, ça se joue comme ça. Et ici, c'est toujours pareil aussi, ce sera aussi comme ça. Donc, pour le moment, c'est la mi-temps. Là, voilà, vous le voyez, c'est la mi-temps. On a fait qu'un seul carton, mais c'est la mi-temps. Donc, il y aura deux mi-temps de 6 minutes. Logiquement, c'est 2 mi-temps 24 minutes, si je dis pas de bêtises dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, c'est 2 mi-temps de 24 minutes. Donc, pour faire oui. C'est compliqué, les gars, de passer les joueurs comme ça, c'est vraiment très compliqué. Malheureusement, bon, après, c'est bien, ça met du level. Mais bon, faudrait pas que ça devienne impossible à passer, quoi. Parce que là, je pense pas que le niveau de difficulté doit être énorme, hein, pour vous lire. Donc je vous dis pas le Hall of Fame, hein. J'ai pu tester le Hall of Fame, croyez-moi, oublions vite, hein. Oublions vite en tout cas pour le moment, parce que franchement, c'est un truc de malade mental. Limite, si tu t'amuses plus, tu t'énerves plus contre l'ordi qu'autre chose. Donc je vais vous dire, moi, j'ai... Oh oui, c'est passé, faute. Ah, oh, dommage. Donc moi, je vais vous dire, j'ai pas envie pendant cette carrière de commencer à me plaindre et tout et à m'énerver à cause que c'est un peu trop cheaté à mon goût. Donc je mettrai le niveau de difficulté qui me convient pour le moment, et si ça plaît pas à certaines personnes, ben voilà, ils iront voir d'autres contenus. Il y a d'autres contenus de NBA 2K16 en mode Mike. Oh oui, voilà. En NBA, donc 2K16 My Career sur YouTube. Donc, ben voilà, quoi. Simplement, si ça plaît pas, voilà, ça plaît pas. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment de m'amuser. Et c'est pas en se prenant 50 points dans la gueule, en n'arrivant pas à passer un joueur alors que t'as 88 de général. Enfin, là, j'ai pas 88 de général, hein, les gars. Mais allez, je sais pas, moi, j'ai envie de vous dire, je sais pas, genre un. Un joueur qui est inconnu au bataillon, qui défend super bien, mais alors là, nickel, tu sais pas le passer, alors que tu as 88 de général, et tu n'arrives à rien du tout, tu n'arrives pas à le passer, tu n'arrives pas à marquer un panier. Mais bien, mais voilà, quoi. C'est peut-être, voilà, tout le monde rentre. Allez, tout le monde rentre. Allez, hop, c'est la foire fouille, tout le monde rentre. Allez, les gars. Bon, y a que moi qui rentre, enfin, y a que moi qui sort pas, en fait. Ok, y'a que moi qui sort pas.
Ah, dommage. Ah ouais, c'est vrai que je pouvais le distraire vu que je suis à domicile. C'est vrai que je pourrais le distraire. Bon, c'est pas grave. Ah, allez, ça bon, ça passe. Ah, je croyais que ça passait encore. Oui, les gars, M1. C'est bien, ça. Ah, il est pas content, on le voit. Allez, hop. Ça rentre. Voilà, ça rentre, ça fait plaisir. Allez, 21 maths, les gars. 4 minutes, il reste. J'espère qu'il va me laisser jouer jusqu'au bout, hein, parce que franchement, j'ai vraiment envie de gagner ce match. Donc, il y aura que ce match hein, dans cette vidéo, les gars, pour cette semaine. Ça, je vous le dis direct. Hein, à mon avis, il y aura que ce match. Et après, il y aura peut-être une cinématique. Allez, le rebond. La passe là-bas pour lui. Allez, vas-y, tu me la remets. Oui, oui, les gars, de Twink, Intel 34. Allez, les gars, 21-23. On peut le faire. On peut le faire, les gars, très largement. Hein. C'est très largement facile à faire. Attention. Enfin, logiquement, c'est facile à faire. Après, faut voir ce que l'ordi va faire ou quoi. Attention. Le rebond. Ah, oh, pas de faute, Thomas. Ou Thomas, vu que c'est anglais, je sais pas. En tout cas, on s'en fout. Allez, on va le presser. Tu rates. Ah, dommage. Donc, pour faire ça, les gars, il faut appuyer sur les gâchettes L2 et R1 et L1 et tout. Et ça déstabilise. Vu que t'es à domicile, tu peux le faire. Et allez, tout simplement, voilà, ça fait trembler la caméra. Mais ce qui est chiant, c'est que quand tu es à l'extérieur, c'est les autres, enfin c'est le public à mon avis qui te déstabilise et qui fait ça avec le tremblement. Et t'as sans arrêt le tremblement quand tu es à l'extérieur. C'est un truc qui m'énerve un peu. Bon après voilà, c'est bien fait, c'est réaliste. Parce que voilà, quand tu es à l'extérieur, bien souvent tu es sifflé, t'as des tambours et tout qui... Ah non, mais non, j'ai pas eu le temps d'aller au rebond. Aïe, aïe, aïe. T'as des tambours et tout, tout le monde essaie espère te faire rater en faisant du bruit, donc ça c'est toujours ainsi. Donc après, oui, oh non, attendez, ça m'a transpercé là, non? Je sais pas, mais j'ai envie de voir. Non les gars, ça m'a pas transpercé, y a rien du tout, en fait, c'est juste moi qui a mal vu. Attention les gars, vas-y, tu peux aller par là, ok. Attention les camps. Faut faire une belle défense, attention, faut pas laisser tirer, oui, le rebond. Allez les gars, on se calme, on va se faire un petit fist horn 34, hop, voilà, je me mets dans le coin, je me mets ici, on passe là, je lui remets la balle, c'était Johnson, ok, c'est pas grave, il reste plus beaucoup de temps, oh, on fait de way. Ouais, j'étais obligé de tirer. Ah, il y a Carter en face. Il y a un joueur qui s'appelle Carter. Bon, attention, c'est qui défend? C'est moi qui défends dessus. Allez, oui, interception. Allez, ok, on va se calmer, on va faire une petite tactique encore. Ça. Oh, oui, ça passe. Non, ça passe pas. Allez, vas-y. Oui, le pivot. Oui, Johnson. Non, Johnson. La passe en retrait. Enfin, en retrait. En arrière, plutôt. Allez, hop. La feinte. Il y a moyen que je l'ai, là, quand même. Oh, rentre dedans. Oui. 25-23, les gars. Temps mort pour les Wildcats. J'espère que je le dis bien. Allez, les gars. On est bien. 23-25. Ah, il y a ma photo au-dessus. Il y avait ma photo au-dessus qui buguait même. Allez les gars, un beau petit pressing. Il faut gagner ce match, il faut le gagner. Attention. Allez le petit rouquin, tu... Oh oui, encore une interception les gars, oui. Allez le 17, allez fraîche, tu es fraîche. Faute, oh les gars, l'arbitre, référé. En plus il dit qu'il n'y a rien en plus. Il dit qu'il n'y a rien avec ça, avec une faute pareille. Allez quoi, sérieusement. Allez, deux points. Faut que tu nous marques ces deux lancers francs, mec. Allez, le 17. Allez, le 17. Non, fraîche. Tu peux pas rater. Bon, au moins, mais en 1. Ainsi, ça fait 3 points d'écart. Et s'il marque à 3 points, ça peut encore aller. Allez, s'il te plaît.
Oui. Yes, les gars. Ils vont faire temps mort, à mon avis. Non, pas de temps mort. Non, ok. Allez, les gars, belle défense. Il restera deux possessions. Ah, c'est temps mort, ok. Il restera quand même tout de même deux possessions. Le temps mort est pris, 23-26. On est plutôt pas mal pour le moment. En espérant qu'on va gagner ce match. J'ai vraiment envie de le gagner, ce match. Allez, hop, on presse. Attention, attention. Non, 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 non. Belle défense, belle défense. Oh, la petite claquette. La petite claquette. 25-26. Oh là là, il va rester deux possessions. Il va rester deux possessions, les gars. J'ai envie de vous dire, on est obligé de... Ah oui, c'est passé, c'est passé. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, mais non. J'ai le rebond, j'ai le rebond. J'ai... Oh oui, faut faire... Attendez, faute personnelle, c'est... Ah non, non, non. Je pensais que c'était genre une faute technique, non. Non, mais c'est pas ça. Allez, c'est pas grave, oui. Oui, 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 faute. Il est de point M1. Voilà, les gars. M1. Oh, par contre, la transpiration, c'est vraiment bien fait, encore une fois. Je l'ai déjà dit la fois dernière, mais je le dirai encore une fois. Oh, oui, les gars. Oh, ça, c'est nickel, ça. Allez. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout pour moi. Allez. Et voilà, les gars. 29-25. 4 points d'écart. Ya, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Allez. Il y a moyen. Là, je pense qu'on est vraiment très très bien placé pour gagner. Je pense qu'on est vraiment très très bien placé pour gagner. Attention, faut revenir, faut revenir, faut revenir. C'est rapide, c'est rapide. Attention. Attention. Il va la remettre là-bas, je le savais. Non, c'est pas pour lui. Ah, deux points. Ils vont me faire la faute sur moi, à mon avis. Il faut que j'ai la balle. Faut que j'ai la balle. Hop. Voilà, fait la faute. Voilà. Allez, ça va mettre au lancer franc, ça. Allez. Ouh. C'est chaud, hein. Il faut que je le mette. Il faut que je le mette au moins un. Allez, je pense qu'il y a possible. Je pense que c'est possible. Voilà. Ah non, il n'y a qu'un seul. Ah, je vais dire. Parce que je le voyais qu'ils étaient en train de se disputer là. Ah non, non, non. Ouf. C'était chaud, les gars. C'était très, très chaud. Allez, les gars. Ouf. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Faut pas laisser tirer. Oui, le raté. Le raté, oui, les gars. 27-31, on va gagner. Après, sur quel score, on ne sait pas encore, mais on va gagner ce match. Oui, on va gagner notre premier match à l'université. Ça fait plaisir. Allez. Par contre, sur quel score, à voir. Hein. Peut-être 33-27. Ce serait bien. Hein. Ce serait bien. Allez. Voilà, c'est bien ça. Il y a un petit bug par contre là, ça c'est pas la première fois que ça le fait ça. Allez. Deux lancers francs, deuxième tu la mets. Voilà, 33-27. Vous savez quoi, j'ai bien envie de le faire chier lui. Hop. Hop, 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 hop. Non, tu n'auras pas la balle. Tu n'auras pas la balle. Et voilà les gars, on va remporter ce match sur le score de 27-33. Ça fait super plaisir. Les amis, moi je vous laisse ici. S'il y a une cinématique, eh ben, tout simplement, je vous la mets. C'était Captain 34. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Freak, thanks to you and your family very much for taking the time to meet with me. I'm going to be honest with you. We've been watching your game tape for years now, and you are our highest priority. We want to develop you from the excellent player that you already are into an all-American player and college legend. Everyone knows about the Fab Five, but with your skills, we think that you can break the records currently held by the great Wolverine Glenn Rice. Make history, Freak. Join the rich maize and blue tradition in Ann Arbor and become a Wolverine. We look forward to your decision. Go Blue! Like the sun that shines over the great state of California, we have been a banner of excellence in college basketball. Our ideologies are rooted in the core of what comprises the DNA of who we are at UCLA. 11 times champions. You are destined for greatness. And your destiny should lead you to a grand stage. And trust me, no stage is more visible than the city of Los Angeles and UCLA. We will have your jersey hanging in your locker, waiting for you to claim your spot amongst the stars. What are you doing?
What do you think I'm doing? Like I said, what are you doing? Anyways, where is Freak? Now, CC, you know your brother. He loves to make a grand entrance. He gets it from your mother. She's always showing up late for work. I arrive when my services are needed and not before. Thank you very much. Yeah, I'm just explaining where he gets it from. Mm-hmm. Was I missed? Boy, where were you? I was taking out the trash, Mama. You're such a good son. I'm gonna miss you when you go off to college. Yeah, who's gonna do the trash detail? Oh, don't worry about that, Pop. Cece could take over. Not so fast. I'm going wherever you going. Someone has to keep you on track, and them college chicks off. That's right, Cece. You help tutor them. I'll take care of the young ladies. Vic, go home. Why are you even here? Yo, because I'm the cameraman. You know what? Speaking of which, Freak, you ready? Hey, these young college hotties are already hitting me up, man. Oh, just tell me in the world which university. Vic, in due time. Relax, brother. Yeah, Vic, shut up. Freak was born ready. Now make sure you don't cut off my head, because I got to look for All right, everyone, I'm ready. Vic, you rolling? Rolling. Hi, everyone. I'd like to thank everyone from my coaches to my teammates. You guys taught me the importance of teamwork and working together, so thank you. I'd like to give a big shout-out to my main man, Vic, holding the camera down. I ain't gonna ask where you got the camera, but thanks. I'd like to thank my loving parents for sacrificing so much to provide for me and my sister. And I'd like to thank my twin, Cece, for being a great role model in my life. This has been an extremely tough decision. Each school was carefully considered, but I have finally decided to choose. I've always wanted to spend time in Cali and enjoy the beaches, because I'm tired of this New York snow. Good weather aside, UCLA. That's my boy. That's my boy. You read my mind, Freak. You read my mind. No, I love them pretty beaches out there, man. UCLA provides a great opportunity. First of all, Los Angeles, prepare. Because as a new brewing on the block, I plan to come in and contribute to the great legacy of winning there and usher a new dynasty of winning there. Thank you, everyone, for tuning in, and see you on the West Coast. UCLA, fight. Frequency vibrations. Well, you know that little dance he does? He came out doing that. Freaking and vibing. Oh, my goodness. Freaking and vibing. Yeah. He was running from the time he was 9 months old. I mean, really, the boy didn't crawl. He skipped that and went right to running around and getting into everything. He actually became, I guess, like a neighborhood mascot, you know? People were really proud of him. They come to the games and watch him, and then I could see that he became everyone's hope.